En ce samedi de Pâques, je veux simplement vous dire toute ma joie d'être pasteur, prêtre au service de cette belle église de Carpentras que j'aime tant, vous savez, que j'ai servi avec tant d'amour, tant de joie parce que j'ai tellement reçu à la fois de la grâce de Dieu dans ces sanctuaires, cette chapelle de Notre-Dame de Santé, cette belle église de Notre-Dame de l'Observance et cette cathédrale Saint-Cyprien qui est lumineuse et qui rayonne au cœur même de la ville. J'ai tellement reçu aussi de grâce de vie à travers la paroisse, les services, les mouvements, ces jeunes pleins d'enthousiasme, ces mouvements auprès des personnes à la fois retraitées ou alors malades ou à visiter. Et puis aussi tellement de joie à travers, toutes ces personnes qui travaillent au quotidien dans la ville, une joie partagée. Au fond, la victoire du Christ sur la mort et le péché, c'est de nous réunir dans la communion, une communion qui n'exclut personne. Et je pense que c'est vraiment ça le message que nous avons apporté aujourd'hui. La résurrection, elle est pour tous. C'est un appel à aller dans le monde entier, comme dit Jésus, proclamer l'évangile à toutes les créations. Je crois que cette invitation, ce samedi matin, nous devons l'entendre et repartir à la fois de ce sanctuaire marial de Notre-Dame de Santé, avec Marie, avec les femmes, avec cette prière continuelle, et puis aller vraiment dans tous les carrefours de nos vies, là où nous rencontrons au quotidien, dans nos familles, dans nos occupations, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient artistiques, sportives, ludiques. Il y a toujours à annoncer la victoire du Christ ressuscité. Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Amen. Alléluia. Je vous laisse écouter Martin Smith. I raise hallelujah. Allez annoncer à toutes les nations, le Christ est ressuscité, alléluia, il est vraiment ressuscité, alléluia. Oui, la mort est engloutie et le roi est ressuscité. Thank you.
Praise the Lord.